Salut tout le monde, donc on va regarder une story de Leboeuf et après la story, je vous dirai mon avis. C'est Nas Réaction, Action Réaction. N'oubliez pas le pouce bleu. Allez, go pour voir la story. Bon, on se réveille. Il faut trouver son nom et son prénom. Tu aimes bien quoi? Tranquille, bon, on se réveille. Avec cette nuit mouvementée qu'on a eue, avec Poulette, Mia, à cause de ces petits enfoirés là, avec ça nous a fait des conneries. Pas grave, on les a vite retrouvés. Il faut trouver son nom et son prénom. Parce qu'ils sont vraiment débiles ceux qui font ça, ils ont même des Facebook, des trucs comme ça. Bref, bon, ça va la team, ça fait quoi de beau. Nous, là, on va chercher une petite lunette à Mia. Je viens de me réveiller. Il y a une petite demi-heure, on a cherché les petites lunettes à Mia. Tranquillement. Et voilà, hein. Comme ça je vous montrerai ça après. Viens ma fille, tu vas où? Viens, on va à la voiture, nous. Voilà la team. Voilà. On va chercher les petites lunettes à Mia. Elle est là, Mia. Tranquillement. On va voir ce que ça donne après. Hein. Et voilà, bon. Et on a eu les petits swats à la maison, du coup. Ce que je vais dire. Bon, allez, à tout à l'heure, la team. Bisous. Voilà, la team. Ça y est. Mon Inette. Ça, ma fille? T'es trop belle, mon cœur. Regardez. Elle est magnifique. Pourquoi tu fais la timide? Tu peux voir? Moi, je trouve que t'es trop belle, mon cœur. Franchement, t'es trop belle. Voilà, trop ces belle, petites mon cœur. Lunettes. La team, ça y est, c'est fait. Il lui a raccourci les bras parce qu'elle était un peu grande, la paire de lunettes, hein, ma fille? Comme le masque. Le nouveau masque, il est trop grand. Papa, il a pris un masque, il est trop grand. Allez, bisous. Bisous, la team. Wesh la team, bien quoi, c'était pour vous dire une petite vidéo qui est sortie sur ma chaîne la team. N'hésitez pas à aller la voir, vous avez juste à swipe up, ça pourra maintenant la vidéo. Hier soir il m'est arrivé un truc de fou. Donc voilà, je vous montre, ça s'est même passé en live et tout la team. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et la partager un maximum. Merci beaucoup la team, bon visionnage à vous, à tout à l'heure. Donc voilà, je vais vous dire mon avis, franchement c'est un truc, ça se fait pas. Un jour ça peut mal tourner un SWAT. Ils vont croire que c'est vraiment un gars dangereux, ils vont sortir les flics, ils vont sortir les calibres et un coup peut partir. Donc c'est pas dangereux, c'est dangereux. Et si au même moment il y a vraiment quelqu'un qui se fait agresser, encore ça peut arriver, encore c'est plus fréquent que ça arrive, qu'il y ait un mec qui pète les plombs, qui sort son fusil et tout ça. Donc ça arrive plus souvent qu'en métropole, des coups de feu en Corse, des règlements de compte, des trucs comme ça. Et si dans le même temps tu mobilises tout le SWAT et qu'il y a vraiment un vrai problème un peu plus, beaucoup plus loin sur des routes escarpées, sur des longues 10, ça se fait pas que ce soit pour la police ou pour la victime ou même pour la petite. Même pour la petite, ça se fait pas franchement. La petite, elle a quoi? Elle a 8 ans, 9 ans, un truc comme ça se fait pas. Franchement, il y a un enfant dans la famille, je trouve que ça se fait pas. Voilà, moi je vous dis la vérité, ce que je pense, ça se fait pas et je cautionne pas. Un jour, il va y avoir un SWAT qui va mal tourner et le mec qui a fait le squat, le SWAT, ils vont le retrouver avec les adresses IP, avec les trucs, les connexions internet, t'inquiète pas. S'il va le retrouver quelqu'un, même des grands hackers ont été retrouvés, t'inquiète pas. Et là, c'est des années de prison si un SWAT tourne mal un jour. TK78 a eu des SWAT aussi, il y en a plein qui ont eu des SWAT, GameX13 aussi à l'époque. Donc moi je trouve que ça se fait pas, je cautionne pas du tout, c'est vraiment du rire bête comme il dirait à Strasbourg, c'est vraiment les gens ils rigolent bête, c'est vraiment, c'est pas marrant moi je trouve c'est pas marrant, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.